Nicolas dans le Quintet de jeudi présentait Fête Filiman, dernièrement déclaré non partant, qui s'était échappé avant le départ. Donc on commence un peu tout, on revient avec une pénalisation au poids du coup. Oui, voilà, on est reparti au même stade que l'autre jour. On n'a pas pu voir de quoi il était capable avec cette pénalisation. Le cheval, forcément, il s'était mis un petit coup en étant lâché l'autre jour. On a pris le temps. Il est resté très bien. On est un peu dans les spectatives, étant donné qu'il a plu un petit peu la pénalisation. Mais en tout cas, le matin, j'ai un cheval en super forme à lui de montrer qu'il est capable de surmonter la surcharge. Il a un bon numéro à la corde. Oui, c'est un bon numéro. Il n'est pas compliqué à monter, mais bon, c'est jamais évident dans le handicap. Il avait gagné du minimum quand il a gagné son quintet sur une surface différente. Bon, voilà, ça me paraît quand même compliqué avant le coup de se dire qu'on va avoir la première chance. Mais bon, s'il montre ce qu'il est capable de faire le matin, l'après-midi, ben, on devrait pouvoir faire l'arrivée aux mains en fin de combinaison du quintet.